arrive à un certain endroit, le bac est plein. Les machines que l'on vient de découvrir ensemble représentent une puissance d'à peu près 20 MW. Pour se donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 10 000 petits climatiseurs individuels. Donc vous voyez l'intérêt de la puissance qui est délivrée par ces machines, qui élimine un nombre énorme de petits ventilos qui seraient répartis dans tous les immeubles. Pour illustration, il y a à peu près 3 millions de mètres carrés qui sont climatisés à la Défense par ce système. Ce serait plus de 100 000 climatiseurs qui seraient nécessaires et tout est concentré ici. On fait circuler l'eau et à travers cet échangeur-là, ensuite on va dans le réseau d'eau glacée qui est là-haut et qui va alimenter les clients sur à peu près 14 km. Parce que l'eau, en fait, on arrive chez le client